Alors, vers une plateforme électrique universelle Volkswagen SSP. Pour mutualiser et remplacer les plateformes MEB PPE, le groupe Volkswagen introduira une base commune SSP à tous ses véhicules électriques. Une plateforme commune pour toutes les voitures, une utopie. Depuis quelques jours, une tendance se dessine. BMW avait annoncé une base nouvelle classe supportant toutes les catégories d'ici 2025. On comprenait cette stratégie car le constructeur ne dispose pas actuellement de base spécifique. Bien qu'il y ait déjà plusieurs plateformes électriques, MEB pour tous les modèles compacts et J1 PPE pour l'haut de gamme, Volkswagen semble désormais suivre la même voie pour réduire les coûts baptisés SSP. Cette nouvelle plateforme universelle arrivera en milieu de décennie, capable d'intégrer tous les segments et pourrait aussi bien équiper les gros véhicules que les futures citadines, Seat et Volkswagen ID.1. En plus de fournir toutes les marques et tous les segments, la SSP sera portée sur le numérique, accueillera la seconde génération du système Volkswagen OS 2.0. La nouvelle génération de batteries maison sera aussi de la partie. Oui, bah, Volkswagen OS, il va falloir faire des progrès, hein, parce qu'il y a plein de bugs. Hein. On se demande alors si la plateforme SSP ne serait pas celle des projets vitrines du groupe. Audi Artemis promet de nouvelles technologies pour 2024, sans mentionner sa base technique. Attendu en 2026, la Volkswagen Trinity devrait aussi reposer sur la plateforme SSP. À suivre. Voilà, bon, bah, je pense que c'est dans la logique des choses, hein, de faire une plateforme pour tous les véhicules communes, une plateforme commune pour tous les véhicules. Ça réduira les coûts, ça permettra d'avoir des véhicules électriques plus abordables pour tout le monde. Hein. Je pense que c'est une bonne idée. Je vous laisse réagir, qu'est-ce que vous en pensez? Ciao!